Alors, donc, j'étais institutrice et j'ai commencé en 1957 à Serrero. C'était pas facile parce que je partais des Audibert, je venais à Orcières, je descendais à Merdarel, je traversais le pont du Drac, je montais dans la forêt de Sapin. Une fois, je suis arrivée à 11, presque midi, et quand ma tante m'a vue arriver, elle était folle de rage. Elle m'a dit, mais ton père est fou, il m'avait mis des molletières. Vous savez ce que c'est les molletières? Ce sont des bandes que mettaient les poilus là, autour des jambes. On n'avait pas encore beaucoup les pantalons, hein, ça a commencé juste. Donc j'étais en jupe, après-ski, et puis les molletières. Et j'y suis arrivée petit à petit, petit à petit. Bon, il faut bien 2 heures, hein. Il faut bien 2 heures, il faut venir à Orcières, puis traverser le Drac au-dessous des Tourans, et puis monter la forêt. Et l'été, je passais par la forêt. Il y a une route d'Archinard à Serrero qui a été créée quand j'étais jeune. Eh bien, je passais dans la forêt. Ça me raccourcissait, hein. Par contre, je rencontrais beaucoup, beaucoup d'animaux. Je ne sais pas s'il y en a autant, mais alors les écureuils, il y en avait. Incroyable. Voilà. Une fois, j'ai eu très peur parce que il y a une hulotte, je crois qu'on appelle la chèvre des bois, et qui me suivait, évidemment, elle criait. Alors là, j'avais eu très peur. On vivait bien, hein, on était heureux.